commandant. Cerberus attaque des civils sur Bening. On nous demande d'évacuer la planète. Nous vous recevons, 9e peloton. On approche de la bombe, commandant. On se fait salement chahuter. On n'ira pas plus loin, lieutenant. Trouvez un endroit où déposer votre peloton. Bien reçu. Parlez-moi de la bombe de Cerberus. Elle n'est pas de Cerberus, commandant. Elle est... Turienne. Comment ça, Turienne? Elle a été posée il y a des siècles. Après la rébellion Krogan, la bombe était une assurance contre une autre guerre galactique. Brutale ? Mais pas dépourvu de logique. Que les Krogan bougent et se font pulvériser. Plutôt malin. Dur de faire confiance aux Krogan. Pour l'instant, on désamorce cette bombe. Oui, mais Cerberus l'a trouvée. Son explosion causera une guerre sans pitié entre Turien et Krogan. D'accord. D'où l'opération secrète. Où est-elle? Dans ses bâtiments. Cerberus a amené du matériel pour la déterrer. Le 9e peloton couvrira votre flanc, commandant. Avec tout ce raffut, les Krogan doivent se douter de quelque chose. Alors nous devons vaincre, commandant. Bien compris, lieutenant. On avance tous! Planquez-vous! Gardez la tête baissée! Ah.
Shepard, il faut avancer. Shepard, il faut avancer. Une fois devant la bombe, je devrais reprogrammer le mécanisme de l'amorce. Bien reçu. Pas d'amorce, pas d'explosion. D'abord, on bat les Krogan, et ensuite on rase leur planète. C'est plutôt extrême, mais c'était une situation désespérée. C'est une stratégie moralement critiquable, mais efficace. Pas ça du tout.
Cerberus bat en retraite. Placée en profondeur pour qu'elle reste cachée. Cerberus a dû la déterrer. Elle a dû être placée de façon à produire un effet optimal. On devrait se dépêcher, commandant. Commandant, nous entrons sur le site de la bombe. Nous avançons vers la station de contrôle. Bien reçu, nous sommes en route. La bombe n'est pas très loin. Cerberus va revenir en force pour nous arrêter. Vous avez raison, Cerberus. C'est une cible très importante. J'irai un plan de télécommande pour des tourelles automatiques. Inutile pour l'instant, mais ça pourrait servir plus tard. Cerberus a dressé des pare-feux autour du détonateur pour nous ralentir. Je dois les contourner. Ça va prendre du temps. Comme vous dites, pas de détonation, pas d'explosion. Mon escouade a pris des risques pour vous, lieutenant. Faites votre part. Je connais les enjeux, commandant. Et merci de m'avoir donné une seconde chance. Faites ce qu'il faut, soldat. Attention ! Commandant ! La bombe avant tout. On se charge de Cerberus.